Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de s'aider au domicile. La police, elle ne peut pas éduquer les enfants à la place des parents. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Avec votre parti, vous instrumentalisez un drame. Vous refusez de condamner clairement les violences. Vous refusez d'appeler au calme. Car ce qui a été fait par des élus de la France insoumise, c'était une incitation en réalité à ces violences. Et il faut encore une fois reprendre la main sur l'intégralité de ces quartiers. Il faut arrêter l'immigration anarchique. Il faut construire des places de prison de manière urgente. Sur nous la responsabilité de la colère quand elle prend racine dans un meurtre odieux. Nous avons un problème systémique dans la police. Lorsque en Allemagne vous comptez un mort pour refus d'obtempérer en 10 ans et qu'en France vous comptez 16 morts pour refus d'obtempérer en un an et demi. Les violences policières, en particulier lorsqu'elles vont jusqu'au crime raciste, sont une composante essentielle de la gouvernance autoritaire. Justice, justice égale calme, pas de justice, pas de calme. Justice pour tous. Justice pour tous.